soldats alliés, ligne supérieure de l'Ouest-Marne, de l'Islande, de Picardie, de l'Artois, de la Champagne et de Verdun se sont dressés devant l'agresseur avec l'indomptable volonté de briser cet assaut furieux. Les soldats alliés savent que Hitler a minutieusement mis au point un formidable appareil militaire et que pour arriver à ses fins, il est décidé à sacrifier avec cette croix de cruauté qui caractérise le nazisme une grande partie de la jeunesse allemande. Mais les soldats alliés savent aussi que la sympathie agissante de l'Amérique leur est grande. Tous ceux qui dans le monde se réclament de la solidaire de la victoire de leurs armes. Ils savent qu'ils peuvent disposer de ressources inépuisables et que pour leur donner tout le matériel nécessaire, les usines travaillent nuit et jour sans relâche. Ils savent enfin que les peuples engagés dans cette lutte gigantesque ont répondu à l'appel du président du Conseil français et fait tous ensemble le serment de tenir et de vaincre. Pour vaincre. Les soldats alliés, les successeurs des héros de la Marne, de l'Isère, des Flandres, de Picardie, de la Champagne et de Verdun, se sont dressés devant l'agresseur avec l'indomptable volonté de briser ses assauts furieux. Les soldats alliés savent que Hitler a mis au point un formidable appareil militaire et que pour un village, il est décidé à sacrifier.